Ils m'ont tapé sur la tête, je ne me rappelle plus pourquoi, ni même si ça m'a fait mal, parce que j'en suis mort. Qu'est-ce que j'étais déjà, travailleur immigré, philosophe, résistant caché, dissident notoire, ou bien animal à fourrure. Je m'appelais comment déjà, José Abdel Argentino, Arabicaïen Patochka, ou bien alors bébé phoque. Ils m'ont tapé sur la tête, je ne me rappelle plus pourquoi, ni même si ça m'a fait mal, parce que j'en suis mort. M'a-t-on assommé pour mes idées, ou pour faire de moi un manteau, pour de l'argent ou la couleur de ma peau? J'ai un bout d'os dans la mémoire, quand leurs pieds chaussés m'ont cerné, étais-je allongé dans des draps, ou bien couché sur la banquise, ou est-ce que je sortais d'un café? Je suis mort dans la rue de l'Ouest, sur la glace du Nord, ou chez les flics de l'Est, ou dans la pampa des casquettes, à coups de trique noire. Est-ce que je rêve de vengeance, de tête policière éclatée, de tête de chasseur sanglante, de tête de raciste empurée? Ou bien est-ce que je vois des têtes émerveillées d'elles-mêmes, émerveillées de leurs dents, et se découvrant un nouveau monde? Je suis mort, répondez pour moi. Je m'appelais Yann Patochka, argentin, et bébé phoque arabe. Maintenant, ça me revient.